Chers spectateurs, bienvenue chez PCE Instruments. Aujourd'hui, nous allons vous parler des techniques de force. J'ai ici un dispositif, un instrument portable de la série PCE DFG. Nous allons voir l'appareil et quelques informations sur son fonctionnement. Qu'est-ce que la force en physique? La force est la masse accélérée. La formule utilisée est F égale à mAg, mais aussi F égale à ma. Autrement dit, une masse accélérée. Qu'est-ce que se passe-t-il quand on accélère une masse? Deux possibilités. Ou la masse se déplace dans la ligne d'action de la force, ou la masse est déformée. Dans la technique de la force, on utilise la déformation. Ce signifie que les mesureurs de force intègrent une cellule de charge qui se déforme lorsqu'une force est appliquée. La cellule de charge intègre un extensiomètre qui génère une tension en fonction de la déformation de la cellule. La relation est que plus la force est grande, plus la déformation de la cellule de charge est grande, plus la tension de l'extensiomètre est grande et plus la force indiquée est grande. On peut voir comment utiliser tout cela avec ce dispositif. Nous avons ici le PCE DFG 500N. Bien, voyons l'appareil de plus près. Le contenu de la livraison comprend le dispositif de poche. Dans la partie inférieure, nous avons le tableau de contrôle. Au milieu, l'écran. Et en haut, l'avis où s'applique la force. Nous avons aussi plusieurs adaptateurs pour appliquer la force. Ici, on voit les adaptateurs et une rallonge. Ceux-ci ont différentes formes géométriques. Un adaptateur plat, un adaptateur conique, un adaptateur angulaire et ainsi de suite pour d'autres applications. Les adaptateurs ont un filetage interne, c'est-à-dire que nous pouvons visser les adaptateurs au mesureur, ici sur la vis, ou non. Et nous pouvons introduire la force par ici. En plus, nous avons une source d'alimentation et un câble de données. Et une notice d'emploi est inclue. Ainsi qu'un logiciel pour un transfert en temps réel. Et un certificat de calibrage pour certifier la précision de l'instrument de mesure. De plus, comme accessoire optionnel pour augmenter les chambres de mesure, nous proposons d'autres adaptateurs. Voilà une petite sélection. Les adaptateurs conviennent à différentes applications. Un exemple, nous avons ici une pince que nous pouvons ouvrir du bas et donc ouvrir et fermer les mâchoires. Cela permet de fixer différents objets. Voici d'autres mâchoires avec une forme différente qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Là, d'autres avec une fermeture automatique. En dehors de cela, nous avons d'autres outils de fixation dans notre programme. Si vous en avez besoin pour un usage spécial, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons différentes solutions pour différentes applications. De plus, nous avons des machines à essai pour augmenter l'usage de l'instrument de mesure. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser les dispositifs de manière mobile, c'est-à-dire mesurer n'importe où, mais que nous pouvons les utiliser en tant que dispositifs de table. Pour cela, ils s'accouplent aux machines d'essai manuelles. Vous pouvez faire fonctionner les machines d'essai manuellement en utilisant à cette manivelle. Le dispositif se fixe sur la partie frontale. Vous pourrez ainsi générer une force verticale de haut en bas, c'est-à-dire une force de traction ou de compression.
Si vous souhaitez enregistrer ces forces, vous pouvez, en temps réel, transférer les valeurs au logiciel, qui est aussi inclus dans l'envoi. Pour cela, il vous faut connecter le dispositif à l'ordinateur. Vous pourrez alors voir les valeurs sous forme de graphique, c'est-à-dire que les valeurs sont enregistrées en format tableau et un diagramme de la force se visualise simultanément dans le temps. Parlons maintenant des spécifications techniques. Ici, la portée maximale est de 500 newtons. Précédemment, nous avons parlé d'une série. Cela signifie qu'il existe d'autres modèles avec d'autres portées, de 2 newtons, 5, 10, 20 ou 200 newtons. Le tout pour la série DFG. Notre gamme de produits comprend des dynamomètres avec une plage de force supérieure. Ils ne fonctionnent pas avec des cellules internes comme cette série de dispositifs. Les cellules de force sont externes, c'est-à-dire qu'elles sont connectées par un câble et l'application de la force est aussi externe. La précision est de 0,1% du fond d'échelle et la résolution de 0,1 newton. La mémoire permet d'enregistrer 100 groupes de mesures. Un groupe de mesures permet d'enregistrer jusqu'à 8000 valeurs individuelles. Vous pouvez régler la part de mesure du dispositif. Cela signifie que l'utilisateur peut régler le nombre de valeurs enregistrées par seconde. Dans ce cas, le réglage maximum est de 1600 Hz. Le dispositif possède aussi un contact de commutation. Cela signifie qu'il est possible d'établir des valeurs limites. En d'autres termes, si une certaine valeur est dépassée, vous pourrez activer des dispositifs externes via le contact de commutation. Les unités que vous pouvez sélectionner sont, bien entendu, le newton, mais aussi vous pouvez faire apparaître la force de la masse en kilogrammes ou en livres. Ce dispositif vous permet aussi d'indiquer la pression ou les pressions. Cela signifie que si vous indiquez d'abord la surface de l'adaptateur de pression, comme dans ce dispositif, un adaptateur cylindrique est inclus. Si je sais la surface de cet adaptateur dans le dispositif et je mesure la force simultanément, je pourrais lire une pression en kilopascal. C'est utile quand, par exemple, je souhaite mesurer la pression superficielle. Eh bien, voyons maintenant quelques exemples d'utilisation. J'ai indiqué avant que l'on pouvait utiliser ce dispositif de manière mobile, c'est-à-dire en tant qu'appareil de poche. Une des applications peut être la mesure de la force d'ouverture et de fermeture des portes, c'est-à-dire combien de force j'ai besoin pour ouvrir une porte ou alors la force dont j'ai besoin pour appuyer sur un loquet. Vous pouvez le mesurer facilement avec cet appareil en utilisant un adaptateur et en faisant pression sur l'appareil contre le point de mesure ou contre le loquet. C'est un exemple simple d'utilisation pour une mesure mobile. Si nous souhaitons utiliser le dispositif en tant qu'appareil de table, nous prenons alors comme exemple la mesure de l'indice d'élasticité d'un ressort. Pour cela, nous avons placé un ressort dans cette machine d'essai. L'indice d'élasticité est défini en tant que force par parcours, c'est-à-dire qu'avec ce dispositif, nous pouvons mesurer la force, mais par la route, étant donné que cette machine d'essai ne possède pas de mesureur de parcours. Nous possédons d'autres machines d'essai, comme par exemple le PCE FTS50. Avec celle-là, il est possible de mesurer la route, c'est-à-dire que là, il est possible de déterminer l'indice d'élasticité en combinant la force et le déplacement. Dans ce cas, il faudrait fixer le ressort juste en dessous du mesureur, remettre le mesureur à zéro et ensuite, grâce à la manivelle, faire pression vers le bas sur le dispositif. Cela permettra de comprimer le ressort.
Le dispositif indique une force et en combinaison avec la route réalisée, nous pourrons déterminer l'indice d'élasticité. C'est une application simple pour laquelle nous pouvons utiliser ce mesureur comme dispositif de table. Comme autre possibilité, on peut par exemple mesurer la dureté des différents types de plastique. J'ai ici deux pièces d'essai différentes qui ont été fabriquées de façon différente. On le voit par la couleur et la forme qu'elles sont différentes. Si maintenant vous souhaitez les mesurer, vous pouvez le faire par la force. Dans ce cas aussi, il faut placer la pièce en bas de la machine d'essai. Et donc, sous l'appareil, on le remet à zéro et l'on peut à nouveau, en combinaison avec la route réalisée en déplaçant la manivelle et la force indiquée par l'appareil, mesurer la force de compression de ces plastiques et les comparer. Cela s'utilise pour le contrôle de qualité à l'entrée des matériaux ou lors de la fabrication pour vérifier la qualité des pièces. Vous trouverez plus d'informations techniques et d'accessoires optionnels sur notre site www.pce-instruments.com.